Alors, pour l'activité créatrice de la lettre C, je t'ai composé un programme que je vais te présenter en premier. Alors ici, je peux mettre en grand écran et on va cliquer sur le drapeau pour commencer. Tu dois compter le nombre de canards, de coqs et de crabes qui se cachent dans le champ. Tu vas voir apparaître la deuxième consigne. Appuie sur les lettres A, B et C pour avoir des indices. Alors, quand j'appuie sur A, le crabe dit « je vais me cacher dans le champ » et il m'informe qu'il a trois bébés crabes qui l'accompagnent. Si je clique sur le B, je suis le papa, mais une canne est avec moi et nos 10 canetons aussi. Si je clique sur la lettre C, je suis le seul coq de la ferme. Alors, si tu veux, maintenant, tu dois compter combien d'animaux il y a de cachés dans le champ au total. Alors, tu peux recliquer sur la lettre A, B et C pour voir le nom. Si tu rentres la bonne réponse et que tu appuies sur le crochet, tu verras un petit message de félicitations. Alors, je t'invite à faire des essais pour faire la programmation. Alors, je te partage ce lien et comme tu pourras voir ici comment j'ai composé ce petit jeu-là, tu peux donc faire varier et je te fais remarquer que j'ai fait une composition, un programme pour chacun des animaux. Alors, ceci est le programme du crabe quand j'appuie sur le A. Quand j'appuie sur le B, j'ai la phrase du petit canard et quand j'appuie sur le C, j'ai la phrase du coq. Alors, je t'invite à regarder attentivement chacun des programmes des animaux et avant de jouer pour pouvoir y répondre. Si tu regardes attentivement ici, tu pourras faire un jeu un peu semblable et te servir de mon modèle. Alors, je te souhaite une bonne expérimentation.